c'est parce qu'elle pensait qu'il y avait trop de monde. Mais regarde-moi ça! Oh, il a pas l'air gai, dis donc! Regarde derrière, hé! C'est tout à fait ton genre, celui-là, oh, il est pour non, toi! Oh non, non, toi d'abord! Hé, attends, c'est mon arrêt, là! Chauffeur! Hé, vous avez loupé mon arrêt! Chauffeur, c'est là-bas que je descends, moi! Quand il se réveille, Jesse. Oh, ne t'inquiète pas pour lui. Tu sais, il a dû faire un cauchemar. Thank you.
Bonjour, Jessie. Salut, maman. Ah, t'en as quand même vidé deux. Alléluia. Avant ce soir, je veux que tu me fasses le plaisir de ranger tes affaires. D'accord, papa, c'est promis. Non, je ne veux pas de tes promesses, t'as dit ça hier. Je veux que tu me ranges ta chambre, d'accord? Oui, bon, d'accord, cool, ok. Non. Et qu'est-ce que tu fais, toi? C'est pour trouver les griffes de Fu Manchu. Tu veux des œufs? Non, merci. Tu es sûr que ça va? Si cette chaleur, il n'y a rien à faire la nuit, j'y arrive pas à dormir. Ah, je vois. Ken, pourquoi tu ne téléphones pas au type de l'air conditionné? C'est inutile, le climatiseur fonctionne tout à fait normalement. Il manque juste un peu de fréon. Ah, les voilà. Oh non, c'est pas vrai. Papa va encore essayer de jouer les bricoleurs. Si tu veux un conseil, toi, ne m'énerve pas. Regarde. Qui c'est? Ah, c'est Lisa. Bon, faut que je file. Hein. Qui est cette Lisa? Qui est cette Lisa? Tes œufs vont être froids. Salut. Salut. Oh, la classe. Tu te sers jamais de la clé? Pourquoi faire? Ben, n'importe qui pourrait te la tirer, non? Ma vieille caisse répoux. T'as vu comment ils jouent, alors faut les mettre hors jeu. Attention les nanas. Une tâche de t'appliquer. Allez, vas-y. Elle avait pas l'air nette, bon allez, foutez-moi la paix. Alors vous avez tiré, ça y est? Kerry, écoute, je profite de la bagnole, c'est tout. Allez, envoyez, allez-y. Ça va, mec? Ouais. Rien de cassé? Non, non, ça va. La prochaine fois, tu feras gaffe. Pauvre petit bonhomme, va. Bon, allez, les gars, on va pas passer le réveillon là-dessus, hein? Attention, c'est fait! T'es out! Tu déconnes là, Grady! Fais gaffe! Allez! Ah. 22, Vlash Schneider! Ah! Écartez-vous! Pose-toi! L'horizon de merde! Ah. Et 200 pompes, chacun! Combien de temps tu crois qu'il va nous faire mariner? Oh, ça le fait jouir, ces trucs-là. Côté cul, tu sais qu'il est pas net. Il passe ses nuits dans les bois de sadomaso en ville. Les petits loulous comme toi, ça le fait bander. Arrête tes conneries! Et si tu me parlais de la nana que t'amènes en bagnole avec toi le matin? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es nul, merde, tu la baises ou quoi? Écoute, Grady, dis-le franchement si tu me cherches. Cool, mec. Je te disais ça comme ça? Ouais. Allez, les emmerdeurs! À la douche! Paraît que tu viens de déménager? Ouais, maintenant on habite Elm Street. Elm Street? Pas la grande baraque blanche qui a des barreaux aux fenêtres? Ben oui, pourquoi? Il l'a acheté ton père? Putain, il est malade, c'est pas vrai. Tu veux t'expliquer un peu? Il y a une fille qui est devenue folle, sa mère l'a bouclée. Elle a vu son petit ami se faire charcuter par un sadique dans la maison en face. Tu voudrais que je te croie?
quenille, il n'entend rien. Jess, j'ai besoin de toi. On a un boulot particulier à faire, toi et moi. Le corps, c'est toi. Le cerveau, ce sera moi. Tu veux que j'appelle le docteur? Non! Non, maman, ça va. J'ai encore fait un cauchemar. D'accord? D'accord. Endors-toi, mon ange. Bon. Reprenons. Nous avons vu que les solides composant le bol alimentaire non absorbés par l'estomac, par le gros intestin, par le petit intestin ou au niveau du tube digestif sont rejetés par le côlon. Quant à la partie liquide du bol alimentaire, elle transite par un système de filtrage, par le pancréas, le foie et la vésicule biliaire. Une partie des liquides est collectée dans la vessie pour être ensuite excrétée. Et ce processus tout entier est maintenu en service par le système circulatoire, au centre duquel il y a le cœur. Yeah! Quatre cavités. Tout comme dans le cœur humain. De l'extérieur jusqu'à l'oreillette droite, de l'oreillette droite au poumon en passant par l'artère pulmonaire. C'est dans les poumons que se fait l'échange oxygène CO2. Le gaz carbonique est éliminé par la respiration, tandis que le sang est généré dans son chemin par la veine pulmonaire jusqu'à l'oreillette. Vous voulez vous amuser avec ces animaux, Walsh? Il faut faire l'école du cirque. Tu veux savoir où tu vas? Faire un tour, je reviens. Je t'ai demandé de ranger ta chambre ce matin. J'en ai pour une heure ou deux au maximum. Non, tu montes. Tu m'entends? Tout de suite. Jess.
J'ai du travail, je vous laisse. Hein. Excusez-moi. Oui. J'ai dit à ta mère que tu m'avais demandé de venir. J'aurais peut-être dû téléphoner avant. Ah non, tu me déranges pas. J'étais en train de ranger tout mon bordel. Oui, je sais. J'ai pensé que je pourrais te donner un coup de main. Ça va où, ce truc-là? Les pulls, je les mets dans le placard? C'est à toi? Non, fais voir. On dirait un journal. Lisa Thompson, 1428 Elm Street. C'est notre adresse. Il a 5 ans, ce journal. Tu la connais? Ça ne me dit rien du tout. Ah, attends, écoute un peu ça. De mon lit le soir, il m'arrive parfois de voir Glenn dans sa chambre, de l'autre côté de la rue, au moment où il se déshabille. Il est mince, son corps est beau. Je sais que je ne devrais pas regarder, mais la partie de moi-même qu'il désire me force quand même à regarder. Alors je deviens faible et j'ai envie de courir jusque dans ses bras. Tu vois? Mardi 15 mars. Chaque nuit, il vient me hanter. Il est horrible, laid, dégoûtant. Il est sous les draps avec moi et il lacère ma chemise de nuit avec ses griffes d'acier. Il s'appelle Freddy. Et il essaie de m'entraîner avec lui dans la chaufferie. Il m'a dit qu'il veut me tuer. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tina est morte. Jessie, ça va, oui? Oui, ça me rappelle un truc que Grady m'a dit. Il parlait de la fille qui habitait ici. Elle est devenue folle en voyant son petit ami se faire massacrer dans la maison en face. Thank you.
peut-être tout simplement une prémonition, comme... Tu sais, les gens qui aident la police à retrouver les criminels et les personnes disparues. Avant, t'en as jamais eu de prémonition? Non, jamais. Tu crois vraiment que c'est ça? J'en sais rien. Je voudrais lire son journal, tu me le prêtes? Bien sûr. Merci. Salut, vous deux. Salut, Kerry. J'ai reçu ton invitation pour la fête chez toi ce week-end. Est-ce qu'il y aura quelques beaux mecs? Ils seront tous là. J'espère que c'est pas ton père qui choisira les disques. Ma mère va essayer de l'enfermer dans leur chambre. À ma dernière boum, il avait mis du jazz, uniquement Benny Goodman, toute la nuit. Bon, allez, ciao. Ciao. Dis donc, Grady, les rêves que tu fais, tu t'en rappelles? Quand ils sont bandants. On jetait! Excusez-moi, mon cher. Je trouve que Schneider aurait pas dû t'empêcher de jouer l'autre jour. Ouais, tu sais, comme enfoiré il se pose là, Schneider. C'est vrai, lui comme enfoiré, il est là, et un peu là même. Alors, les emmerdeurs? C'est pas vrai, on crève là-dedans. Bouge pas, je vais regarder le thermostat. Merde, on se croirait dans un four, c'est dingue. Chut, fais pas de bruit, les oiseaux dorment. Siri, d'après le thermomètre, il fait 36. Jesse, viens là deux secondes, aide-moi à déplacer la cuisinière. C'est pas le gaz. Tu dis n'importe quoi, si c'est le gaz. Ta mère a senti une odeur de gaz. Bah oui, j'ai cru que c'était une... Et fille, alors, c'était enfin... quoi? Les oiseaux sont malades. Tu leur as encore filé des graines bon marché. Oh bon, je t'en prie, qu'elle l'a vraiment... Ça se pourrait, il doit bien y avoir une explication rationnelle. Enfin merde, c'est pas vrai, les oiseaux n'explosent pas comme ça, sans raison. Bon, t'as raison. Bon, alors. En tout cas, je suis sûr que c'est pas une fuite de gaz. Oh, moi. Oh. Tu t'es fait mal? Non, c'est rien, ça va. C'est encore un de tes coups, ça. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh, tu sais très bien de quoi je veux te parler. C'est quoi? C'est des pétards que t'as utilisés? Tu sais ce qu'il a fait? Il s'est servi d'un de ces foutus pétards. Oh, arrête. J'en suis sûr. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ça va pas? T'es malade? Reviens ici immédiatement, Jesse. Ken, immédiatement, j'ai dit! Calme-toi, voyons, tu es ridicule. Je t'en prie. Jesse! Calme-toi!
Tu vas voir si je te pousse, moi.
Bonsoir, monsieur. C'est bien votre fils ? Oui, c'est mon fils. On l'a trouvé errant en pleine nuit au milieu de l'autoroute. Il était tout nu. À votre place, moi, je l'aurais à l'œil. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci. Entre, Jesse. Allez, viens. Hé, attends. Viens là, toi. J'ai deux questions. Tu vas me répondre et on ira tous dormir, d'accord ? Avec quoi est-ce que tu te drogues ? Et où est-ce que tu t'en procures ? T'es malade, je me drogue pas. Bon, moi, je vais me coucher. Oui, allez, viens. Sois raisonnable, laisse-nous t'aider. Maman. Mais c'est pour toi que je dis ça, Jessie. Mais ça va. Je t'en prie. Fiche-moi la paix, d'accord ? Tu peux au moins me dire ce que c'est. Non. Je ne supporte pas de le voir comme ça. Je crois qu'on devrait l'emmener chez un psychiatre. Je t'en prie, chérie. Je te dis que ça ne servirait absolument à rien. Écoute, ce n'est qu'une impression, je le sais, mais il a besoin de nous. On doit s'occuper de lui. Arrête, calme-toi. Est-ce que tu vas m'écouter à la fin ? Je ne l'ai jamais vu dans un état pareil. S'il se défonce, c'est normal. Non, il a besoin surtout d'un sacré coup de pompe dans le train. Voilà ce que je crois. Ou alors, on n'a qu'à l'interner carrément dans une clinique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ne vous inquiétez pas et laissez-les faire leur travail. De là, qu'est-ce que tu foutais ? Schneider s'est fait ratatiner hier soir. Oh merde. Il a dû rester tard. Il y a un sadique qui l'a coupé en rondelles. Il devait être en train de prendre sa douche. Il y a des empreintes sanglantes un peu partout. Bonjour, mon ange. Bonjour. Dis donc pas, pourquoi ils n'avaient pas réussi à vendre cette baraque depuis 5 ans ? J'en sais rien, les gens n'en voulaient pas. Enfin, je sais pas. Et tu n'étais pas au courant du meurtre de la maison d'en face ? Personne t'a dit que la fille qui vivait ici avait vu le meurtre de sa fenêtre ? Oui, effectivement, on m'a parlé d'un truc, mais... Bon, le type de l'agence t'en avait parlé et toi, tu nous as rien... Chérie, il faut voir qu'on ne l'a pas payé très cher non plus, hein, cette baraque. Est-ce qu'ils t'ont dit aussi que cette fille était devenue folle et que sa mère s'était suicidée ici, dans le séjour ? Quoi ? Est-ce qu'ils te l'ont dit ? Maman, j'ai peur. Viens là. Mais ce n'est rien, ma chérie. Papa et Jessie racontent un peu n'importe quoi. D'ailleurs, ça n'est plus le moment de discuter de ça. Voilà, t'es content ? D'ailleurs, il n'y a plus rien à discuter. Tu m'entends ? Elle n'a absolument rien d'anormal, cette maison. Compris ? Il y a quelque chose qui brûle ? Oh.
dingue, j'ai jamais vu un truc pareil. Regarde, Shirley. Il était pas branché. Voyons, Jessie, t'as rien à te reprocher pour la mort de Schneider. C'est pas parce que tu en as rêvé que ça fait de toi un assassin. Où on va, là? C'est là, à gauche. Moi, je suis persuadée que tout ça se passe uniquement dans ta tête. Comme si tu recevais des signaux psychiques. Quoi, ce machin-là? Tu te rappelles le journal? Nancy raconte que ses cauchemars l'emmenaient dans une chaufferie. Voilà, Freddy Krueger travaillait ici. C'était une centrale thermique. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que j'ai trouvé sur notre ami Freddy Krueger. Combien de temps qu'elle est désaffectée? Oh, ça fait un moment. Viens. Freddy Krueger avait kidnappé une vingtaine de gosses et les avait amenés ici pour les tuer. Tu ne sens rien du tout? Sentir comment? Je pensais que ce lieu provoquerait peut-être une réaction en toi ou tes images. Je me sens complètement con. Chut, concentre-toi. Tu ne sens toujours rien? Non, rien. Bonjour, mon ange. Alors, tu as mieux dormi? Ouais, merci, maman. Ça se voit. Tu as meilleure mine. T'as eu un autre cauchemar cette nuit, toi? Ouais, c'était encore pire qu'hier. Tu veux qu'on en discute? Mon vieux croit que je suis camé.
Pour ma mère, je suis presque cinglé. Il y a des moments où je me demande si c'est pas elle qui a raison. Qu'est-ce qu'il a, Jesse? Il a pas l'air dans son assiette. Non, c'est rien. Si tu veux, on va au cinéma ou on se balade, quoi, je sais pas, moi. Que tu sois décidé, tu veux pas une pizza ou un truc? Salut, les mecs! Salut, Ronnie! Tu seras là demain à la boum chez Lisa? Non, mais je vais m'en coincer. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait tomber ma grand-mère dans l'escalier. Jesse, force-toi à bouffer un truc. J'ai pas faim, Lisa. Si seulement tu me disais ce qui se passe. Au moins, on pourrait essayer de comprendre. À deux, on comprendrait. Y a rien à comprendre, c'est dingue. Tu viens compte de fatiguer avec lui, il y a la masse, connard. Ta gueule, Grady! Tu veux que je la ferme? Ben, d'accord, à ferme, c'est pas un problème. Salut, mon pote. Chérie, c'est une soirée très réussie. Tu viens, mon maigrichon, fichons-leur la paix. Non. Et maintenant, c'est toi le chef. Minuit et demi, t'entendais? Dernier délai. Minuit et demi. Amuse-toi bien, chérie. Salut. Il est mal, Jesse? Qu'est-ce qu'il a? Si je le savais. Jesse? J'arrive. Laisse-moi entrer, je t'en prie, il faut qu'on parle. Écoute, je suis pas dans l'ambiance là, du tout. Je vais m'en aller. Pourquoi t'essaies pas de m'expliquer? Fiche-moi la paix, tu veux? T'es un salaud de me dire ça. Je veux t'aider, moi. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Toi, qu'est-ce que tu y peux? Écoute, j'ai l'impression d'être devenu cinglé. Je veux pas te mêler à ça. J'ai peur de m'endormir. Et j'ai peur de rester éveillé. Je te foutrais ta soirée en l'air. De toute façon, ils vont m'enfermer. Ne dis pas des horreurs comme ça. Laisse-moi rester avec toi, je t'empêcherai de dormir. Avec moi, il ne t'arrivera rien du tout, je te le jure. On y est presque. Ils s'amusent, laisse-les. Je sais bien qu'ils s'amusent, mais alors pourquoi font-ils autant de boucans? Oh.
va pas, Jess. Oh putain, c'est toi. Tu m'as foutu les jetons, merde. Hey, mais qu'est-ce que tu fous là? Hey, bordel, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Écoute, j'ai des emmerdes. Laisse-moi passer la nuit chez toi. Non, mais t'es malade? Ça, j'en sais rien. T'as qu'à rentrer chez toi et te bourrer de somnifères. J'ai tué Schneider. Tu as quoi? Mais c'était pas moi. C'est l'autre qui servait de moi. Bien sûr, il m'a fait entrer chez ma petite sœur. Et ce soir, avec Lisa, ça a recommencé. Et je te jure, je comprends rien. Je crois que t'es en train de devenir complètement fou. J'ai peur, Grady. J'ai l'impression qu'on essaie de s'emparer de mon corps. C'est normal, c'est une nana, c'est tout. Et tu veux dormir avec moi? Bon, t'as qu'à pas me croire si tu savais comme ça m'est égal. Oh, j'ai pas dit ça. Je crois que t'as fait des cauchemars, c'est tout. Non! C'est trop étrange. Moi-même, je ne sais plus. Oh tiens, et puis merde. Je suis dans le pétrin et j'ai besoin que tu m'aides. D'accord. D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire? Surveille-moi. Si je me mets à agir bizarrement, ou à faire un cauchemar, dès qu'il se passera quelque chose, si j'essaie de sortir d'ici, faut que tu m'empêches. Et si t'es obligé de m'assommer, vas-y, faut pas me laisser sortir. Et Grady, surtout ne t'endors pas. Un dog. Allez, reviens dans l'eau. J'ai pas que ça à faire. Oh, écoute, Jerry, je sais pas quoi faire. J'ai envie d'être auprès de lui, mais je peux pas m'en aller. Rien ne t'empêche de partir. On va avec lui. Oui. Les aventures de Flash Gordon et du Dr. Zekra. J'aimerais vous présenter Louis Kane. Si tu l'avais sur toi, pourquoi tu l'as pas sorti tout à l'heure? Et c'est une incroyable descente des Rangers. Ah, mes amis! Faites beau rêve. Grady! Quoi? Ah, ça y est, ça recommence, j'ai une crise! Nom de Dieu! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Thank you.
Papa! 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 Ron! Ron! Qu'est-ce qui t'arrive? À l'aide! À l'aide! Ouvre la porte, voyons! Ron! Ron, c'est papa! Ouvre-moi cette porte! Non! 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 Ron! Non! Ron! Ouvre-moi la porte! Ron! Je l'ai tué. Tu es blessé, mais dis-moi ce qui s'est passé. J'ai tué Grady. J'ai tué Grady. Lisa, j'ai tué Schneider. Oh non, mon Dieu, non. J'ai peur, Lisa, si tu savais. Jesse, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou. Il est là en moi. J'ai peur. Jesse, mais qui est en toi? Explique-toi. Freddy Krueger. Il est entré en moi. Je sais qu'il va essayer de me reprendre. Non. Jesse, non. C'est un rêve. C'est un cauchemar. C'est toi qui mélange tout ce qui est arrivé. Schneider et le journal de la fille et le gang que t'as trouvé. Et tout ça a dû se mélanger en toi. Merde, mec. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu me croies? Vas-tu essayer de me comprendre? La nuit dernière, il voulait me faire tuer ma petite sœur. Regarde mes mains, tout ce sang. Il est devenu mon maître. La température de l'eau décolle, c'est brûlant. Je sais pas. Oui, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Écoute ça. Je l'ai lu dans le journal de Nancy. Écoute bien, c'est très important. La dernière page de son journal. Écoute. Il est le mal personnifié. Maintenant, enfin, je sais que c'est moi qui l'ai fait venir dans mon univers. Nous sommes tous responsables. On lui a donné notre énergie. Il s'est nourri de nos cris.
Nous l'avons attiré. Lisa, elle n'était pas folle, Jessie. Elle n'a fait que dire la vérité. Tu peux lutter contre lui. Va-t'en, il est revenu en moi. Tire-toi, Lisa. Jessie, il faut te battre. Je ne peux pas. Bats-toi, Jessie. C'est toi qui l'as fait revivre. Toi seul peux le détruire. Lisa, ouvre-moi cette porte. C'est ta peur de lui qui le fait vivre. Lutte contre lui. Je ne peux pas. Si, tu peux. Bats-toi. Tu n'as pas à avoir peur de lui. Il n'existe même pas. Non. Ça va? Personne n'est blessé? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Maman, maman.
Calmez-vous, mon vieux. Pas de panique. Ah, pas s'affoler. Personne vous fera de mal. Dites-nous ce que vous voulez. Je suis là pour vous aider. Je vais t'aider, moi, connard. À présent, vous êtes tous mes enfants.
tiens. Jesse, je sais que tu es en lui. Détruis-le. Oh, Jesse est mort. Jesse. Lisa. Jesse, je t'aime tant. Je n'ai pas peur de toi, salaud. Il est là, en toi. Tu vas me le rendre, rends-le-moi. Prends-moi, Jesse, je saurai te le reprendre. Et toi, tu pourras t'en retourner. Tout droit en enfer, tu entends, saloperie. Non, Jesse est mort. Il ne peut pas te retenir. Il est en train de perdre son pouvoir. Tu peux sortir. Il va mourir avec moi. Toi aussi, on va tous mourir ensemble. Thank you.
Contente de te revoir en forme, tu sais. Ah, je suis content, moi aussi. Tu peux pas savoir. Oui. Tu peux pas savoir. Une bonne journée, mon ange. D'accord. Merci, maman. Bye. Au revoir. Salut. Salut. Salut, Jessie. Ben alors, qu'est-ce qui te fait rire? Elle était vraiment très réussie, ta boum. Merci, Lisa. Oh, y a pas de quoi. J'ai du mal à croire que tout ça, c'est fini. Allez, n'en parlons plus. D'accord. C'est moi qui déconne ou le bus va vraiment trop vite? Tout va bien. Mais y a pas de problème. Oh non! Ce bus roule bien trop vite. Lisa, il accélère, ça recommence, je te dis. Tout va bien. Chauffeur! Chauffeur, arrêtez! Y a l'aise, c'est toi. Excuse-moi. Je suis fatigué. Oui. Tout va très bien. Tu vois. Jessie, arrête. C'est de l'histoire ancienne. Did you ever see a dream walking? Well, I did. Did you ever hear a dream talking? Well, I did. Did you ever have a dream thrill you with will you be mine? Oh, it's so grand and it's too divine. Did you ever see a dream dancing? Well, I did. Did you ever see a dream romancing? Well, I did. Did you ever see heaven right in your arms, saying, I love you, I do? Well, the dream that was walking and the dream that was talking, and the heaven in my arms was you. See a dream walking? Well, I did. Did you ever hear a dream talking? Well, I did. Did you ever have a dream thrill you with will you be mine? Oh, it's so grand, then it's too divine. Did you ever see a dream dancing? Well, I did. Did you ever see a dream romancing? Well, I did. Did you ever see heaven right in your arms, saying, I love you, I do? Well, the dream that was walking and the dream that was talking and the heaven in my arms was you.